suis en retard. Attendez, mais vous travaillez le samedi maintenant? Ah oui, aujourd'hui c'est exceptionnel, on a des clients japonais. Ah d'accord. Et monsieur Gérard, il descend pas? Alors, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, impossible de le tirer du lit. Oh. Vous voyez, c'est marrant ça, parce que depuis que je suis rentrée, je le trouve très bizarre. Ah bon, tu trouves? Enfin, je crois que c'est l'âge. L'âge? Bah oui, il va bientôt avoir 45 ans. Bah oui, mais enfin, je vois pas le rapport. Bah si, c'est l'âge critique pour les hommes. Ils remettent tout en question, leur vie, leur travail. Et excusez-moi de vous le dire, mais aussi leur femme. Ah bon, Annette? Eh bien, moi, tu vois, je ne crois pas que Roger ait l'intention de remettre quoi que ce soit en question dans sa vie. Je suis pas si sûre. À mon avis, vous devriez être très vigilante. Vous avez déjà entendu parler du démon de midi? Ah oui, oui, bien sûr. À mon avis, guette monsieur Gérard. Bon, bah écoute, tu sais, on en reparlera plus tard, Annette. Parce que moi, je suis très en retard et Xavier m'attend au bureau. Oui, mais vous savez, vous devriez faire attention quand même, c'est vital, je crois. Ne t'inquiète pas, Annette, que j'y vais très bien. Bon, je me sauve, à ce soir. À ce soir. Après tout, moi, j'aurais prévenu. Bon, tu sais. Harry. Salut, Annette. Qu'est-ce que tu fais là? Il fallait que je te parle. Je te dérange pas? Non, pas du tout, monsieur Gérard, il dort, et puis, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un. Ben voilà, Agnès, elle accepte de me revoir. Ah, et c'est ça qui te met dans tous tes états? Ben oui, je l'aime. Mais si bien que ça? Oh, tu peux pas savoir, c'est une déesse, voilà, c'est ça. Attends, mieux pour toi. Oh, Annette, je suis heureux. Oh, c'est pour ça, fallait que je t'en parle, tu comprends? Pourquoi moi? Parce que t'es ma meilleure amie, et quand on a des émotions fortes comme ça, on est obligé d'en parler à sa meilleure amie, tu comprends? Bah, c'est super. Bah oui, c'est super, c'est la femme de ma vie. Tu te rends compte que Harry, il a enfin trouvé le bonheur? Tu te rends compte de ça? Oui. Salut. Attention. Salut. Mais quelle heure est-il? Eh, il est l'heure de se réveiller, mon grand. Petit déjeuner servi. Waouh, tout ce que j'aime. Café, jus d'orange, croissant. Eh ouais, je vais faire les courses, tu vois. Et qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Bah disons que c'est pour te remercier de m'avoir débarrassé de Laetitia hier soir. Enfin, c'est vrai que si tu avais pas dit que Virginie venait dormir à la maison, jamais elle aurait été dormir chez sa tante. J'allais pas te laisser tomber, enfin, quand même. Ouais, mais tu m'as enlevé une sacrée épine du pied, là. Bon, allez, ça va, on n'en parle plus. En tout cas, merci, hein. Bon. Dis-moi, tu sais ce qui me rendrait service? Non, mais je sens que tu vas me le dire, là. Je sais pas pourquoi tu... Eh ben, ça serait que tu te transformes en magicien, toi, et que tu la fasses disparaître. Je sais pas quoi faire, vraiment. Ben, écoute, je sais pas pourquoi tu dis pas tout simplement que t'es pas libre, enfin, ça serait plus simple. Je peux pas... Sa famille connaît la mienne et mes parents seraient furieux. Enfin, tu vois le topo, quoi. T'es coincé, quoi. Pieds et poings liés. Moi, je rêve. Qui ça peut être, cette heure-ci? Bouge pas, j'y vais. Ouais. Oh, Anthony. J'ai pensé à toi. Tu m'as manqué. Ah ouais? Ah, d'accord. J'ai rêvé de toi toute la nuit. Ah ouais? Bonjour. Ah, salut, Luc. Je vous dérange pas, au moins? Ça va. Bah, t'es tout seul? Ta petite copine n'est pas avec toi? Non, elle a dû rentrer, finalement. Oh, zut. Moi qui ai dormi chez ma tante. Enfin, c'est pas grave. Tout ça sera bientôt réglé. Bon, allez, je suis juste venue te faire un petit bisou. Je vais aller visiter des appartements. Des appartements? Comment ça, des appartements? Bah, notre appartement. Comme ça, on sera tous les deux. Bon, allez, j'y vais, je vais être en retard. À tout à l'heure. Ouais. C'est ton jour de chance, dis-moi. Ah, merci. Ben, c'est toi? Ouais, salut. Salut. Si tu viens pour le café, c'est pas la peine, il y en a plus. Non, mais ça va, je te remercie, j'en ai pris un ce matin. Bon. Dis-moi, c'est pas la fille qui était là hier que j'ai croisée dans les escaliers? C'est fort possible, oui. Rassure-toi, elle m'a pas reconnue. Justine,
Elle est au courant que tu mènes une double vie? Je vois pas de quoi tu parles. Mais réfléchis un peu, je suis sûre que tu comprendras. Ah, ok. Et où tu veux en venir, là? Ah, mais nulle part. Non, juste, ça serait dommage si tu l'apprenais. Je suis bien de cet avis, ouais. Ah, bah d'accord. C'est très bien, alors. On est d'accord? Ouais. On se retrouve tout à l'heure à la salle de gym? Ouais. À tout à l'heure, Luc. Je vais pas me mêler de ce qui me regardait pas, mais j'ai l'impression qu'elle te fait du chantage, là. Ouais, à mon avis aussi, tu vois. Là, si tu me regardes pour savoir ce qu'il faut faire, c'est pas la peine parce que j'en sais rien du tout. Désolé. Merci. Bon, alors, vous pensez que je suis assez bien ou pas? Mais oui, parfait. Ah, merci. Ouais, pas mal, ouais. C'est tout? Harry, n'écoute pas ce qu'il dit, tu es parfait. Ah, bon. Lucilla! Je crois franchement qu'il faudrait que t'achètes des pantalons à ta taille. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, ça t'éviterait de mettre des bretelles. Ah non, mais ça, c'est pour pas. C'est pas pour ça que je porte des bretelles, bon. Et bah, pourquoi tu portes des bretelles alors? Parce qu'avec les bretelles, ça pulse. Harry, ne l'écoute pas ce qu'elle dit, elle te vend très bien. Bon, vous me trouvez bien ou pas? Alors? Bon, Harry, tu vas pas nous saouler avec ça toute la matinée. Mais c'est normal, je suis anxieux, moi. Alors? Oui. Ouais, bah, tu vois, ta copine, elle est en retard. Oh, non, non, mais elle va pas tarder, vous inquiétez pas. Ah tiens, la voilà. Oh. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, excusez-moi les filles, mais il faut que j'y aille. Je t'en prie. Hein? Bonne chance, hein. Bonne chance. Merci. Tu lui enlèves ses cheveux. Annette, à mon avis, je remettrai tes lunettes. Ah, alors là, très drôle. Moi, je la trouve superbe. Moi aussi. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as fait de gros progrès. C'est vrai, tu penses franchement? Mais oui. J'étais folle. Jamais j'aurais dû te quitter. Non, formidable. Bon, tu veux boire quelque chose? Un petit jus d'orange? Parfait. Super. Elle veut un jus d'orange. Enfin bon, voilà, ça y est, tout est arrangé. Impeccable. Mais ça, on l'a vu, hein. Oui, tu t'es très bien débrouillé, hein. Merci, merci. Annette. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Pas mal. Ah, pas mal. Je l'arrange. Voilà. Oh, avec le petit. Oh, elle va adorer ça. J'y retourne. Oh, elle est géniale. Oui. On devrait ouvrir de cours de baiser. Un vrai fortune. Franchement, j'aurais pu faire la même chose. Ah, ça m'étonnerait. Moi aussi. Personne ne peut rivaliser avec nous. Salut. Je te cherchais, tu veux venir avec nous à l'hôpital voir Jérôme? Nous qui? Bah, Virginie et moi. On passe la prendre à la salle de sport et après, hop, on va à l'hôpital. Bah, je serais bienvenue, mais j'ai des trucs à faire. Ah, bon bah écoute, on se retrouve ce soir chez mes parents. Ouais, d'accord. Ok, à ce soir. Salut. 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 Ah, je me demande ce qu'il lui trouve à cette fille. Allez, ça va s'arranger, hein? Ouais, tu parles. J'avais déjà Laetitia, et comme si ça suffisait pas, maintenant j'ai Clarisse. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Et explique-moi pourquoi Daniel a choisi ce week-end pour partir avec ses parents à la campagne. Non, mais... Écoute, si tu veux, je peux m'occuper de Clarisse pendant que tu trouves une solution pour te débarrasser de Laetitia, hein? Tu ferais ça pour moi? Bah, bien sûr, hein. Oh, merci. Ok? Enfin, ouais. T'inquiète pas, hein, je suis là.
Bon, allez, remets-toi. Ouais, ouais. Ok. Qui c'est? C'est ton grand amour. Ça va? Ouais. Ça va, ça va. Ça me fait plaisir de te voir. Bah, dis-moi, tu n'as déjà pas visité un appartement? Bah, si, justement. Il est génial. Il faut absolument que tu viennes avec moi. Maintenant? Bah, oui. Je sais pas si tu t'en es aperçu, mais je travaille, moi, ici. Bon, d'accord, mais quand alors? Ben, je sais pas, en fin d'après-midi. Ok, bon, ben, je vais appeler le propriétaire, hein. Oh, je pourrais pas faire un sauna après? Oui, si tu veux. Oh, merci, t'es gentil. Mmh. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Toi, t'es pas sorti de l'auberge, hein. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Oh là. Salut. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, comme Daniel est pas là, j'ai pas grand-chose à faire, alors je me suis dit qu'un peu de sport, ça me ferait pas de mal. Oui, évidemment, ouais, c'est sûr. Je crois que je vais commencer par un sauna. Bah, c'est là, vas-y. Vous venez pas me frotter le dos, les garçons? Ah non, c'est gentil, non, merci. Voilà, on a du boulot. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. À tout à l'heure. C'est ça, ouais, à tout à l'heure. Tu me dire quel est le fou qui a inventé les filles, hein? Ça. Remarque, il est pas si fou que ça, rien. Oh, j'ai chaud. Tu peux le dire, ouais. Salut. Justine est pas avec toi? Non, elle est allée chercher Annette à la cafette, elle va arriver. Ah bon? On a rendez-vous ici. Ça vous dit de faire un sauna? Bah, pas vraiment, non, parce que vu la chaleur et tout, je c'est pas très bon de. Non, non, non. C'est vrai que c'est pas très agréable, tu sais. Ouais. Bah, puis en plus, je crois que c'est complet, donc. Oui. Hein? Non, voilà. C'est dommage. Ouais. Ben voilà. Bah, Anna, t'es pas avec toi? Elle est. Non, elle avait un truc à faire. Vous venez avec nous voir Jérôme à l'hôpital? Bah, on aurait bien aimé, mais. On travaille, là. Oui, on a un métier. Oui. Ah bon? Oui. Bon, bah sinon, nous, ce soir, on va dîner chez mes parents. Vous voulez venir? Non, on va pas les déranger. Non, et puis ce soir, on fait nocturne, souviens-toi. En plus, voilà, c'est ça. Ah ouais. Oui, on va terminer vers 9h, donc ce sera difficile de venir vous rejoindre. Ouais. C'est sûr. Bon, bah on se voit demain. Hein? D'accord, d'accord. Tu me manques déjà. D'accord. D'accord. Je dois dire, bien joué pour trouver du nocturne, bravo. Oui, je vois bien. Ça nous laisse 24 heures pour se débarrasser de Laetitia. Ça nous laisse. Non, ça te laisse 24 heures. Moi, je suis absolument pour rien. Donc, ah, bah oui. Comment ça, attends? Non. Ah bah, je plaisante, bien sûr, je vais t'aider. Allez, oh. Et en fait, les deux filles sont dans le sauna, là. Oui? Chose à faire que de les regarder. Non. Puis d'ailleurs, plus je regarde Agnès et plus je me dis qu'Harry est en train de faire une grosse bêtise. C'est pas une fille pour lui. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais tout. D'abord, elle est trop belle pour lui. Ah, et puis les filles comme ça reste pas avec un garçon comme Harry. D'ailleurs, elle l'a déjà quitté une fois, elle peut recommencer. Hein. Peut-être, mais ils sont à nouveau ensemble. C'est tout ce qui compte. Tu peux être naïve, ma pauvre Susan. Ça va pas durer. Mais depuis quand tu sais lire dans l'avenir, Madame Irma? Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il va souffrir. Ah, sincèrement, je crois que tu devrais remettre tes lunettes. D'ailleurs, faut que je fasse quelque chose avant que l'irréparable arrive. Excusez-moi. Où tu vas? Attends, Annette! Bonjour, je m'appelle Annette. Bonjour. Je suis la meilleure amie d'Harry. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Je peux m'asseoir, ça vous dérange pas? Pas du tout. Je suis ravie de rencontrer la meilleure amie d'Harry. Surtout que personne ne connaît aussi bien que moi, n'est-ce pas, Harry? Ça, c'est vrai.
sais, il fait collection de coléoptères. Faisait, Annette. Faisait collection, parce que Agnès, elle aime pas trop ça, alors hop, 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 y'en a plus. T'as arrêté ta passion pour les coléoptères pour elle? Ouais, bien, quand on aime, on ne compte pas. Jeu, set et match. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Non, 3 semaines. Ouais, 3 semaines et tu l'as déjà quitté. Annette? Excuse-moi, mais... Enfin, je veux dire, c'est un secret pour personne, tout le monde est au courant. Non, mais Annette, s'il te plaît. Bah oui, mais comme vous étiez encore ensemble, j'ai pensé que le problème était réglé. Le problème, il est réglé, ok? Ah bah alors, on peut en parler. Alors comme ça, t'as quitté Harry pour un garçon très laid. Alors ça, c'est incroyable, hein? Quelque chose. Enfin, je te comprends, tu sais, dans la vie, on peut faire des erreurs, hein. Il paraît que t'as fait beaucoup de peine à Harry en quittant. C'est vrai qu'Harry est un garçon très fragile. Je laisserai personne lui faire de mal. Je crois que je reviens de partir. Non, 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 attends, tu restes là. Mais attends, laisse-la partir si elle veut partir. Faut pas retenir les gens. Enfin, je pense qu'elle s'est rendue compte que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Elle a raison, Harry, on n'est pas fait pour être ensemble. Attends, tu vois, j'étais sûre que c'était pas une fille pour toi. Harry, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Agnès est partie en courant, là? Bah, je crois qu'elle s'est rendue compte qu'elle était pas faite pour Harry. Non, mais Annette, pour qui tu te prends, là? Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul, ok? Non mais c'est incroyable ça. T'es parti pendant un mois, on s'est très très bien débrouillé tout seul. Je vois pas pourquoi ça continuerait pas, ok? Salut. Agnès, attends. Je comprends, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire là-dedans? Ça fait une demi-heure qu'elles sont enfermées. Dis-moi, elles sont peut-être en train de s'entretuer, non? Ah. Bah si c'était possible, toi, ça me rendrait un grand grand service. Non, je comprends pas pourquoi elles sont pas sorties là, j'arrive pas à comprendre. Et t'inquiète pas, elles vont pas tarder à mon ami. Tout ça c'est... Bah tiens, bah justement. Oula. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors surtout rien, tu attends. Je te remercie. Ah bah oui, oui. Oh là là. Oh là. Je suis un homme mort. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais regarde, elles sont devenues copines. Elles manquaient plus que ça. C'est pas parce qu'elles discutent ensemble qu'elles sont forcément copines, Anthony. Non, attends. Regarde qu'il a rissé ma souris. Je suis sûr qu'elles sont en train de comploter contre moi, j'en suis sûr. Calme-toi. À mon avis, cette histoire te rend un peu paranoïaque, tu vois. Non. Attends. Je connais très bien. Ouais, je connais très bien Clarisse. Je sais de quoi elle est capable. Et je me méfie d'elle, je te le dis. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais... Salut! Salut, Martial. Ah, c'est pas le moment, toi, hein, je te jure. Hé, hey, oh, qu'est-ce qu'il a? Hey, j'ai rien dit! Non, t'inquiète pas, Martial, il est un peu fatigué, un peu sur les nerfs, un peu tendu en ce moment, tu vois. Hé, hey, dites. Elle est mignonne, la fille, là-bas, non? Laquelle, Martial? Bah, celle qui discute avec la folle. Laetitia? Bah oui, je sais pas, ça doit être ça. Oui? Ah bon? Mais s'il te plaît, vas-y, te gêne pas surtout, vas-y. Elle est sympa? Super sympa, ah, extraordinaire. Très très sympa, oui. Vous pourriez me la présenter? Bah évidemment, y a pas de problème, Martial. Alors écoute, elle s'appelle Laetitia, uh-huh. Elle habite au Havre et elle a 20 ans. Ouais. Et je te dis tant. Anthony, j'ai quelque chose à te dire. Ah bah écoute, moi aussi ça tombe bien, regarde. Voilà, Martial, un copain, je vais te le présenter. Oh non, 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 pas lui. Plus hein. Tard, plus tard. C'est vraiment important, allez, viens. Hé hey. Hey, mais elle est avec lui? Oui, enfin, non, Martial, c'est plus compliqué ça. T'inquiète pas, c'est franchement. Ouais, non, bon, d'accord. Non, mais je t'assure, hein. J'ai compris. Bon. Anthony, si tu savais comme je suis contente. Ah oui? J'ai fait connaissance avec Clarisse. C'est vraiment une fille extra. D'ailleurs, je savais pas que vous habitiez le même immeuble. Bah oui, mais attends, tu le sais, toi. Elle m'a proposé quelque chose. Tu deviendras jamais, quoi. Ah bon? Qu'est-ce que t'as proposé? Elle m'a proposé que je vive chez elle le temps qu'on trouve un appartement. Ah ouais? C'est génial, non? Ah oui, c'est formidable. Non, puis c'est mon oncle et ma tante qui vont être contents. C'était trop petit chez eux, je chantais que je dérangeais. Qu'est-ce que je suis contente. On va pouvoir se voir 24 heures sur 24. Eh ben dis donc. Ah, t'es vraiment gentille, Clarisse. Non, vraiment, t'es une fille formidable. Moi, tu me connais, Luc. Moi, ça me déchirait le cœur de les savoir séparer comme ça. Oh oui, ça, je te connais suffisamment. Oui, c'est... Comme ça, on aura tout le temps pour trouver un appartement. T'es content? Je suis ravie. Je peux pas savoir à quel point c'est... Mais tu vois, je te l'avais dit. Merci, Clarisse. Bon, tu viens? On va prendre une douche. Oui, bonne idée. À tout à l'heure, les garçons. Bah, à tout à l'heure. Alors là, c'est fort, là. Je veux dire un truc. Je crois que t'es un homme mort, ouais.
merci, hein. Ouais, c'est très sympa, hein. Vous n'aviez pas prévu autre chose, moi? Non, non, non. Bon, alors ça tombe bien. Bah, je vais préparer la salade. Je vais t'aider à préparer le repas. Ouais, merci, je veux bien, parce que là... Dites-moi, vous avez pas d'huile ni de vinaigre? Non, 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 on n'a pas ça. Et du sel et du poivre? Non plus, non plus. Dites-nous tout de suite ce que vous avez, ça ira plus vite. Bah, disons qu'on n'a pas grand-chose ici, voilà. Oui, on fait pas souvent la cuisine, hein. Bon, bah, j'ai compris. Je vais aller chercher ce qui manque à la maison. Bah attends, je viens avec toi, il manque de la vaisselle aussi, donc... Comme ça, je t'aiderai à porter. D'accord. On peut dire que vous avez de la chance que Clarisse habite au-dessus. J'espère que vous en êtes conscient. Et comment? On sait pas ce qu'on ferait sans elle, c'est dingue. Enfin, tranquille, 5 minutes. Attends, moi j'en peux plus, là. Je sais pas si t'es comme moi, mais je sens que je vais pas tenir longtemps, tu vois. Ouais, non plus. Heureusement que les filles pouvaient pas dîner avec nous ce soir, hein. T'imagines le truc? Déjà, on fait vite, hein. Allez, allez, vas-y. Oh. Surprise! Qu'est-ce que vous faites là? Bah écoute, Roger a une crise de foie, donc le dîner a été annulé et on s'est dit que ce serait sympa de venir vous voir. Parce que vous nous manquiez beaucoup. Ah, c'est super, c'est super. Ça vous fait plaisir qu'on soit venu? Oui, 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 très très plaisir. Vous avez déjà dîné? Non. 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 Non, justement, justement. Bah, si on est le restaurant, Anthony. Si tu te trouves, c'est une idée ça. On y va. Allez, super. Temps, hein, parce que... Allez, hop, pas de temps. Moi, j'ai une faim, pas de temps. Allez, vite. Je suis beaucoup content de faim, ça continue. Oh là là, on se dépêche. Allez. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Bah, qu'est-ce qu'ils font?